J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche. Et je suis super heureuse de vous retrouver pour le live aujourd'hui, qui va être super cool. Aujourd'hui, je suis avec Charlotte. Comment ça va? Ça va bien. Bon, on va vous envoyer plein d'autres tropiques, parce que du coup, tu vis à Bali aussi. Donc on va vous envoyer plein de moiteurs et de photos stylées sous l'eau. Donc j'ai hâte de vous partager ça. Et avant d'attaquer, comme d'habitude, vous savez, c'est la tournée des bonjours des gens dans le chat. Donc si vous êtes du côté YouTube, alors bonjour. Du coup, il y a Alison qui est sur le chat déjà au taquet. Donc, je pense qu'on en reparlera un petit peu après. Bonjour à Sandflake, à Nerjol. C'est vachement compliqué à dire. Et du coup, si vous êtes du côté YouTube, il y a Alexandre qui va vous partager le lien pour nous rejoindre du côté Behance. Et Behance, c'est là où il y a un peu le fun. Hein. C'est là où on peut stalker vos portfolios. Et c'est aussi là où toute la petite communauté est déjà présente. Donc du côté Behance, bonjour à Thierry, Jamila, Delphine, Niki, Seisun, Delphine, Tony, Valder. Vous êtes déjà pas mal. Stella, Joël, Alex. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Est-ce que vous nous entendez bien? Un petit check pour être sûr, vous nous voyez bien. Et puis voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions pendant le live, on est là pour y répondre. Si vous avez des questions après le live et que vous regardez le replay, on a le Discord de la chaîne où vous pouvez retrouver tous les liens, tous les trucs dont on a parlé et tout. Et puis voilà, je crois que j'ai rien oublié. Charlotte, c'est à toi. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, qu'on en sache un petit peu plus sur toi? Donc, je m'appelle Charlotte Bory et je suis photographe aquatique. Je parle de mon parcours un petit peu, rapidement. Ouais, déjà photographe aquatique, ouais. On a déjà, tu vois. Puis si tu veux, on peut rentrer dans ton portfolio et puis on peut papoter en même temps, si ça te va, voilà. Comme tu veux. Ouais, carrément. Hop. Comme ça, on verra tout de suite à quoi ça ressemble. En plus, c'est stylé, alors autant le montrer. Hop, Alison qui nous dit « j'allais pas louper ça voilà. ». Alors, du coup, c'est bon, on voit ton site normalement. Yes. Donc, t'es à l'écran. Bon. Ah, c'est cool, hein. Donc, que dire? Comment t'en es venue à être photographe aquatique? Comment on devient photographe aquatique? Pense qu'il y a... comment tu on devient Bon, comment tu t'es arrivée là? Ouais, comment j'ai atterri là? Alors, moi, j'ai fait une formation artistique à la base. Donc, j'ai étudié à l'École des Beaux-Arts il y a quelques années déjà. et ensuite mon parcours a été un peu sinueux. Je suis pas arrivée boum, j'ai pas eu la révélation tout de suite après l'école, je vais faire de la photographie aquatique. Après les Beaux-Arts, en fait, je me suis orientée vers les métiers de l'édition. Okay. Parce qu'à ce moment-là, c'était ça qui m'intéressait, c'était l'illustration d'un côté, et de l'autre côté, l'idée de créer des collections, tout ça. Donc, du coup, j'ai fait un master professionnel appliqué au métier de l'édition. Et suite à ça, j'ai commencé à travailler donc, dans l'édition en rentrant par la petite porte avec plein de stages en étant assistante d'édition. Et j'y suis restée bien 7-8 ans. Ok. Et en fait, au bout d'un moment, au début, j'y suis rentrée avec plein d'enthousiasme, avec plein d'idées, avec envie de créer plein de collections. Et en fait, c'est vrai que je me suis retrouvée à être plus
une sorte de... Quand on est assistante d'édition ou éditrice, on est chef de projet, en fait. Ouais. Donc, en fait, je me retrouvais à travailler pour mettre en page, pour concrétiser les projets, les idées, les créations des autres. Et au bout d'un moment, c'est devenu hyper frustrant pour moi. Et du coup, il y a un jour où je me suis dit qu'il fallait à tout prix que je renoue, en fait, avec la créa. Parce que sinon, j'allais pas être bien. Et du coup, c'est à ce moment-là, j'ai tout bazardé. Et je me suis donné 6 mois pour décider ce que j'allais faire. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, pendant la majorité de ces 6 mois, moi, j'étais persuadée que j'allais rester un peu dans le milieu de l'illustration. Je dessinais beaucoup, voilà. Et donc, j'étais complètement plongée là-dedans. Et en fait, c'est quelque chose de complètement personnel qui m'a fait un jour tilter sur la photographie sous l'eau. C'est qu'en fait, à ce moment-là, avec mon conjoint, on avait décidé de se marier. Et je cherchais une idée un peu marrante pour créer des images, soit pour annoncer le mariage, soit pour peut-être pendant le mariage. Enfin, je ne savais pas encore trop. Et je réfléchissais, je me disais, bon, on est tous les deux plongeurs, qu'est-ce qu'on pourrait faire de rigolo avec ça? Et j'ai commencé à me dire, ça serait marrant qu'on fasse des images sous l'eau, en robe de mariée, machin. Et j'avais jamais vu des choses comme ça, en fait, avant. Et c'est en commençant un peu à regarder sur Internet, j'ai commencé à voir quelques images par-ci, par-là. Et vraiment, ça m'a interpellée. Je me suis dit, bon... C'est vrai que ça pourrait être rigolo. Puis, je l'ai gardé dans un coin de ma tête. Et puis, vraiment, j'arrivais plus à le sortir de ma tête. Je me disais, je crois que j'ai vachement envie de faire ça, mais pas juste pour mon mariage. En fait, je crois que j'ai envie de faire ça en tant qu'artiste, quoi. Enfin, j'ai envie de faire ces images. Ouais. Et du coup, j'ai voulu tester d'abord en tant que cliente. Donc, ouais. j'ai trouvé une nana à Paris qui faisait ça. Et donc, j'ai testé en tant que cliente pour voir si je kiffais. Ah, c'est trop bien. J'ai adoré. J'ai adoré faire ça. J'ai trouvé que c'était trop marrant et je me voyais bien aussi à sa place, en fait. Donc, okay. J'adorerais, je crois que. Et du coup, à partir de là, c'est parti. À partir de là, je me suis dit, OK, c'est ça que je veux faire, j'en suis sûre. Et du coup, je me suis formée à la photo parce que jusque-là, je ne faisais pas tellement de photos. Donc, je me suis formée à la photo, j'ai acheté tout le matériel et dans peu de temps après, on est parti vivre à Bali. Voilà. Oui, ça c'est allé assez vite finalement, ouais. En fait, à vraiment trouver... Ouais, on n'est pas parti à Bali pour ça. On avait déjà dans un coin de notre tête l'envie de partir vivre sous les tropiques quelque part, on n'avait pas encore complètement décidé. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à avoir cette idée de la photo aquatique, les choses se sont connectées, en fait, dans mon esprit. Je me suis dit, c'est génial, j'adore la plongée, j'adore être dans l'eau. Les dernières images que j'avais faites, même en illustration, elles étaient vachement, vachement aquatiques. Et en plus, on s'apprête à partir vivre sous les tropiques. Je me suis dit, c'est ça. C'est ça que je veux. Les planètes sont alignées. Ça, c'est trop cool. En quoi ça t'aide est-ce que ça t'aide et en quoi ça t'aide, du coup, le fait d'être à Bali pour produire ces images? J'ai vu la différence parce que j'ai commencé un petit peu à faire des photos quand j'étais à Paris. En plus, j'étais en mode je débute, je m'entraîne, j'apprends à m'en servir de mon caisson, de tout ça. Donc, ce n'était pas évident de trouver les piscines, en fait, déjà. Ouais. Rien que ça. Trouver les piscines, c'était juste une mission parce que les piscines municipales refusent. On n'a pas le droit de faire des photos. Après, il faut contacter les hôtels et c'est pas forcément évident quand on est débutant parce qu'on ne peut pas leur dire « Regardez, j'ai un portfolio de dingue, c'est trop beau ce que je fais, ouvrez-moi votre piscine. » C'est pas forcément facile de les convaincre quand on est débutant. Du coup, c'est vrai que j'ai un peu ramé. Voilà. Ouais. Sans mauvais jeu de mots, j'ai un peu ramé. Du coup, j'ai vu à quel point c'est difficile. Parfois, ça coûte très cher aussi de louer des piscines là-bas. Et là, je suis arrivée à Bali et là, c'est... Tout le monde a une piscine dans son jardin. Tout le monde a une piscine. Les quelques hôtels qui m'ont dit, bon, d'accord, mais on vous fait payer un forfait, ils font payer 10 balles. Ouais. Enfin, du coup, voilà. Et puis aussi, il y a la mer.
Bah ouais, en plus, ouais, ça permet d'aller faire mon mère. Et bah écoute, j'ai plein de questions pour parler de ça. Alors bah, du coup, on a Alison Boons dans le chat qui est avec nous. Si ça vous intéresse, la photo aquatique, on avait du coup déjà reçu Alison et on avait parlé aussi de tout ça, du fait que... elle cherchait des piscines, des trucs comme ça. Puis elle est vraiment basée en France. Donc n'hésitez pas, la session était hyper cool aussi. Elle dit c'est beau. Nikki dit super beau le site de Charlotte. Bah ouais, c'est canon. Et bah écoute, est-ce qu'on regarderait un petit peu plus tes images? Comme ça, on va répondre aux questions au fur et à mesure. Ouais. Je peux déjà descendre dans ce portfolio-là qui est le portfolio oui, des images. Tu disais, t'as deux portfolios, ouais, c'est ça. Ouais, en gros, j'ai séparé les images que j'aurais tendance, moi, à appeler plus classiques, même si je ne sais pas si c'est très classique, mais bon. Et j'ai un autre portfolio pour tout ce qui est vraiment des projets de création digitale avec de la photomanipulation. Voilà, donc du coup, j'ai... Du Photoshop de malade mental dans lequel on va rentrer. Photoshop à donf. Donc là, c'est le portfolio qui est plus classique, on va dire. Okay. C'est vraiment... Avec des choses très anciennes, des choses très récentes, c'est un peu tout mélangé. Ça permet d'avoir une petite vue d'ensemble. Après, les cadrages ne sont pas... c'est parce que le portfolio est comme ça, mais les cadrages ne sont pas... Ouais, okay. Voilà, en fait, il y en a plein qui ne sont pas cadrés. Ah ouais, bah, tu vois, ça ne m'avait pas chafouiné. Hein. Écoute, bon, bah écoute, tant mieux ouais. Je pense qu'il n'y a que toi qui le sais. Ah, c'est vraiment stylé. J'adore. Moi, j'ai mon petit coup de cœur personnel. Cette photo où j'ai, quand je les ai vues toutes les deux, je me suis dit, bon, j'ai pas le choix. Là, faut que je la fasse, ma chapelle Sixtine. Ah ouais. Un c'est peu, ouais. Cool. Ouais, carrément. Et, ouais, c'est mon petit... C'est quoi la différence entre shooter en piscine et shooter en mer? Ouf, alors, c'est deux mondes. Ouais. C'est vraiment deux mondes. Ouais. En piscine, tu pourrais presque considérer que c'est... Ça pourrait être presque un shooting studio. Ça dépend évidemment si tu débarques juste dans une piscine que tu ne connais pas. Bon, peut-être pas, mais tu peux faire un peu ce que tu veux en fait en piscine. Tu peux aussi tout maîtriser. Tu peux maîtriser la profondeur. Tu peux... par rapport aux images que tu veux obtenir et aussi par rapport à l'aisance de ton modèle. Parce ouais, que ouais. Si c'est un modèle qui n'est pas super à l'aise ou si c'est un enfant, il vaut mieux une piscine pas trop profonde. Ouais. Tu vois, du coup, tu peux vachement jouer sur ça. Tu peux rajouter des fonds. Tu peux jouer avec l'architecture parfois. Et c'est plus confortable aussi. Quoi. Tu peux facilement aller te reposer. Tu peux facilement aller le modèle peut aller changer facilement. Ouais, c'est regarder un peu tes photos, voir où t'en es. Ouais. Ouais, c'est sûr, c'est un confort. En mer, c'est hyper différent. Il y a l'expérience d'être en mer. Il y a le côté un peu aventure. C'est plus challenging pour tout le monde. Ouais. Pour tout le monde. Tout le monde rentre complètement crevé. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Et du coup, c'est quoi la différence de rendu des images? Alors, la différence de rendu, c'est pas facile à décrire parce que j'ai des images, je pense qu'il y a plein de gens qui pensent que ça a été fait en mer. On pourrait croire que ça a été fait en mer, que ça a été fait en mer, par exemple. On pourrait penser ouais. Que ça a été fait en mer. Y en a plein parce que c'est assez facile de... Ça dépend de la pose, mais on peut complètement supprimer la piscine si on le souhaite ouais. Et donner une ambiance très marine. Après, le rendu... moi, j'ai plus pratiqué en piscine ouais. Qu'en mer. J'ai fait notamment un photoshoot aux îles Gili. Qui était cool. Et en fait, on pourrait croire que les îles Gili, c'est le paradis, les eaux cristallines, ça va être les doigts dans le nez. C'est pas les doigts dans le nez pour autant. Et puis parfois, ce qui est compliqué aussi en mer, c'est qu'il faut prendre en considération aussi tous les éléments, les marées,
la hauteur de l'eau, sur le site sur lequel on va aller. Et parfois, il y a tellement de paramètres que parfois, on en zappe un. Et par exemple, je suis allée une fois sur le fameux site aux îles Gili où il y a toutes les statues. Et je m'attendais à un truc grandiose avec plein d'eau au-dessus. Elles affleuraient presque. Ah merde, oui, ok. Et alors là, tous tes rêves s'effondrent parce que tu avais imaginé tes modèles qui allaient nager au-dessus et tu dis comment ils vont faire. Donc, et du coup, tu fais tout en apnée. Oui, ouais. Jusqu'à présent, en tout cas, j'ai fait tous mes shootings en apnée, que ce soit en piscine ou en mer. Je trouve que c'est plus simple. Déjà, on est plus raccord avec nos modèles parce qu'on vit un peu la même chose. Et puis, c'est plus facile aussi parce que quand on remonte, on peut communiquer facilement. Oui, c'est vrai, ouais. Ouais, voilà. Enfin, ça se fait naturellement, en fait. Dès le départ, je ne me suis pas dit, ah ouais, alors je vais prendre la bouteille, je vais m'encombrer avec mon gilet, mon truc, et puis ciao, on se retrouve à la fin du photoshoot. Et puis toi, tu te débrouilles parce que tu n'as pas de bouteille en face. Ouais. Après, je sais qu'il y a des photographes qui shootent avec les bouteilles, donc ils doivent bien se débrouiller pour communiquer. Mais moi, j'étais plus à l'aise, en tout cas, pour le faire en apnée. Ok. Eh ben, écoute, non. C'est hyper cool. Il y a Yves qui nous dit à Dubaï, il y a une piscine de 60 mètres de fond. Le prochain. Oui. Ouais, c'est le décor et tout, là, tous les trucs. Avec le décor qui est complètement dingue. Ouais. J'en veux. Pourquoi, les mecs, vous êtes dans le désert? Pourquoi? Écoute, ouais. Pourquoi pas? Voilà. Il y a Yves qui dit, moi qui adore le Photoshop bricolage, j'attends le portfolio. Ok. Bah alors du coup, je vais aller sur le deuxième portfolio où là, c'est des projets où je suis partie, je me suis amusée. Quoi. Allez. Je suis partie, j'ai trippé. C'est trop cool, c'est vraiment stylé. Ah bah tiens, je pense qu'il y a une photo de... Ah, Mister Joel, ok, c'est bon, il m'a fait la traduction du pseudo. Combien de temps en moyenne pour réaliser une image 100% finie? Pour l'editing? Ouais, bah je pense, on va dire de A à Z, tu vois, le process. Bah de A à Z, c'est compliqué parce qu'il y a le shooting. Le shooting, ça dépend, on va arrondir à 2 heures. Ouais. Après, c'est surtout l'editing, ça dépend complètement ce que je fais. Ouais. Ça dépend. Mais c'est long. Long. C'est long. C'est long. Je dirais qu'une photo du précédent portfolio, ça dépend lesquelles évidemment, mais les photos que je dirais plus classiques, c'est quelques heures, on va dire grand max 3-4 heures. Et c'est okay. Vraiment grand max. Ça dépend ce que je fais, ça dépend complètement, ça peut être beaucoup plus rapide, ça dépend. Et par contre, pour la créa, honnêtement, je n'ai jamais mesuré parce que. Mais je dirais bien que 2 jours. Oui, ok. Ouais. Après, c'est toujours difficile aussi à mesurer parce que, en général, quand je fais une série, la première est vachement plus longue que les autres parce que je tâtonne. J'ai une idée en tête, je cherche, j'essaye des choses, la couleur ne me plaît pas ou ça ne me plaît pas, donc je recommence ou je réessaye autre chose, donc c'est forcément plus long. Après, une fois que je pense que j'ai saisi le truc, je fais les autres, je pense plus rapidement. Je ne dis pas que c'est du travail à la chaîne après, non, quand même pas, mais ça coule plus facilement quand même. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Écoute, ouais, montre-nous ces images. Alors là, j'en ai une là qui est verticale, donc je l'ouvre. Sinon, on ne la voit pas bien. J'ai vu. Et là, c'est vraiment à chaque fois, je pense, c'est des gens qui sont venus à moi avec aussi des envies. Enfin, je leur demande toujours aussi j'essaie de cerner un peu leurs intérêts, leur personnalité et de retranscrire un peu ça aussi dans les images. Là c'est le cas pour cette série où c'était vraiment quelqu'un qui était très axé sur c'est difficile à dire mais à la fois l'astrologie, la connexion avec la nature, enfin ce genre de,
ce genre de choses. La protection, de la, elle est aussi très impliquée dans le mouvement vegan. Et ouais, la connexion avec la nature, tout ça, c'était très important pour elle. Il y a surtout cette image, moi, que j'aime beaucoup. Parce que du coup, ça, c'est des photos de clients aussi. Ouais. Ouais, ouais. Comment on arrive à avoir des clients fine art ? Attends, j'ai plein de questions existentielles, moi. Ouais, c'est pas juste des clients fine art. En plus, là, c'est des clients complètement bravés. C'est des clients complètement dingues. Ah oui, non, mais moi, je reviens pas moi-même. Hein, qu'il y ait des gens qui me viennent me voir. Et à chaque fois, j'ai l'impression qu'ils vont venir me voir en disant « Non, mais je veux de la photo aquatique, mais tu t'embêtes pas trop. » Et en fait, là, j'ai vraiment eu de la chance. Des gens qui viennent me voir en disant « Moi, je veux du créatif. Vas-y, quoi. J'adore. » Ah, du coup, je me suis fait plaisir. C'est hyper cool. C'est fou, c'est trop bien que tu arrives. Et attends, du coup, c'est des portraits. Ils veulent des portraits de... Ouais, c'est ça. En fait, ils veulent créer une sorte de... une sorte d'œuvre d'art et être dedans en même temps. Et en même temps aussi vivre l'expérience aquatique. C'est un peu tout un mix et des images qui racontent des choses ou qui font rêver, qui nous emmènent ailleurs. C'est dingue, c'est fou. Alors là, pour le coup, c'est une nana qui est venue me voir avec une idée déjà pas hyper précise, mais elle est venue me voir en disant, elle me connaissait déjà, on avait déjà fait ensemble, donc elle savait de quoi j'étais capable en termes de délire. Et elle est venue me voir en disant « L'autre jour, j'ai eu un coup de cœur, une révélation en regardant Ghost in the Shell. Je veux faire ça. Je veux faire ça. » Ok. Pas de problème. Pas de problème. Du coup, voilà. Je lui ai dit « Ok, je vais creuser un peu et puis je te recontacte avec des idées, avec un mood board, avec tout ça. Et puis, tu me dis si ça te convient. Et puis, du coup, on s'est lancé là-dedans. Et c'était pas triste en termes d'editing. Ah non, mais les images sont incroyables. Moi, je suis super curieuse. J'ai hâte de voir comment t'as fait ça parce que vraiment, c'est hyper cool. C'est un mélange de photomontage, de composite et de dessin sur la photo, en fait. Enfin, du dessin, c'est mais genre les câbles, c'est du dessin. Et ensuite, le dessin, il est... Je sais, peut-être du relief, hein, tout ça. Mais non, ouais. Ça, c'était sympa à faire tous ces petits câbles quand on sait que la lumière, en plus, vient du centre et que du coup, la lumière n'est pas la même sur les câbles qui sont à droite et sur les câbles qui sont à gauche et sur les câbles qui sont en bas. Donc, je te laisse imaginer le nombre de calques. Et bah, d'ailleurs, ouais, la lumière, elle vient du centre. Ouais. Mais en fait, elle venait du dessus, non ? C'est ça ? Qu'est-ce que tu disais ? C'est parce qu'en fait, elle venait du dessus, c'est ça ? Et elle est comme ouais. ça ? Ouais, ouais. En fait, l'histoire, c'est que... On était censé shooter dans une piscine super profonde qui était déjà réservée pour l'occasion et tout. Et en fait, on était en saison des pluies et on s'est tapé des énormes pluies diluviennes dans les jours qui ont précédé. Et du coup, l'eau de la piscine est devenue complètement trouble. Et il se trouve que ma piscine personnelle n'était pas trouble. Peut-être elle est plus petite, donc du coup, elle est plus vite régénérée, plus vite nettoyée, je ne sais pas. Parce que cette grande piscine profonde, il leur faut 2 semaines hein, pour retrouver de la... Ah mince, ok. Ah ouais, c'est un enfer. Donc du coup, je lui ai dit, je pense que c'est jouable dans ma piscine. Par contre, elle fait 1,40 m de profondeur. Donc toutes les images qu'on avait prévues de faire debout, ben, va falloir les faire allonger. Et c'était pas facile même pour elle, parce qu'en fait, on imagine, oui, ben, il y a qu'à se mettre comme ça et on fait la même chose comme ça. Ah non, mais c'est flotte et tout. Il faut t'habiter, mais c'est bien dur. Ouais. C'est pas pareil pour elle, la pauvre. C'était vraiment pas facile. En plus, les gens, quand ils s'allongent sous l'eau, souvent, ils ont le réflexe d'avoir la tête un peu comme ça. Ouais, sinon, il y a l'eau qui rentre. Parce que sans doute, il doit y avoir instinctivement, on reste comme ça parce que l'eau rentre. Mmh. Et du coup, ça fait des choses un peu bizarres dans la pose. Une fois qu'on remet vertical, on se dit, il y a un truc qui ne marche pas. Donc, c'était
pas facile d'obtenir vraiment la bonne pose dans si peu de profondeur. Mais c'est bon, c'est trop cool. On l'a fait. Bah ouais, montre-nous des images en grand, comme ça on va voir un petit peu de plus. C'est fou. Là. Et pareil, elle était censée apporter une énorme arme, évidemment en plastique, de combat. Et elle m'a dit, bah, j'ai juste trouvé un petit revolver. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Allez, 3 heures de Photoshop en plus. C'est bon, on n'était plus à 3 heures près. Et du coup, là, oui, sous l'eau, il n'y avait rien, là. Il y avait juste elle avec son pistolet à la main et c'est tout. Ouais, j'ai vu un petit peu sur... Tu as fait ton profil bien, c'est ta mis des avant-après. C'est hyper impressionnant. Ah oui, c'est vrai que j'ai mis ça dans le... Ouais. Là, il y a celle-ci aussi où c'était intéressant parce que aussi j'avais prévu de faire cette espèce d'éclaté. Et du coup, ben, on a shooté les vêtements séparément. Ouais. Ouais, avec l'aide de mon doux mari. Une fois que la cliente est partie, je lui ai dit, bon, ben, maintenant, c'est toi. Et puis, tu vas tenir le kimono comme ci, allez, comme ça. Allez, c'est parti. Voilà, pour avoir tous les petits éléments. Parce que ça, c'est génial. Quand je peux avoir vraiment tous les éléments que je shoote au même endroit, avec la même lumière. Ouais, du coup, tu as vraiment... Là, ce qu'on voit, c'est pas au fur et à mesure du process. C'est avant de shooter, tu sais ce que tu vas shooter. Tu as vraiment une image en tête. Une image en tête. Après, je compose aussi avec ce que j'obtiens de ma modèle. L'image, elle évolue un petit peu quand même. Ouais. Mais j'avais des idées assez précises de ce qu'on allait faire pour ce shooting, pour ces shootings-là. Ouais, j'ai des idées assez précises de ce qu'on fait. Ouais, tu prépares tout en avance. Ouais. On veut en voir plus. J'ai tenté un truc où j'ai. C'était parce que. Ah, alors, elle était. Des poissons dans des cages, c'est trop marrant. Elle était. Elle voulait à tout prix que je lui fasse au moins une image avec des bitcoins ou des cryptocurrencies. Voilà. Ok. Et j'avoue qu'au début, ça m'inspirait moyennement. Voilà, moi, ce que ça m'inspire quand on me parle d'argent et quand on me parle de crypto-monnaie et qu'on veut être une cyborg en même temps, bon, bah, on se retrouve à être une tenancière de d'une espèce de maison close aquatique. C'est canon, c'est trop trop cool. Il y a tellement de détails en fait. Voilà, j'avoue, sur celle-là, je me suis amusée, mais du coup, c'est super chargé. Mais bon, c'est vraiment juste celle-là qui était, quelque part, c'était un peu volontaire. Ça allait avec aussi l'ambiance que je voulais, avec cette image que j'avais de la mère Mackerel. Raconter l'histoire et tout. Il y a Nico qui dit, c'est super bien fait. C'est dingue, les câbles sont super bien mis dans la compo aussi. Non, c'est fou, c'est hyper impressionnant. Tiens, il y a Mister Joel qui dit merci pour les explications, ça répond bien à mes questions. Trop cool. Et il y a Yves qui demande comment vous faites avec les particules non prévues. Tu sais, les machins qui flottent dans l'eau. Je nettoie tout après sur Photoshop. Ça, c'est inhérent, ouais. Il y en a quasiment tout le temps. Après, ça dépend. Ça dépend de où on shoot. Il y a des endroits plus ou moins sales. Puis, selon ce qu'on a prévu, parfois, par exemple, j'ai eu un projet dans l'autre portfolio où je suis arrivée dans la piscine et j'étais catastrophée par l'état de la piscine. Oui, parce que généralement, ça ne se voit pas du dessus. Il faut vraiment être dedans pour dire « Ah, merde !» Ah ouais, non, mais j'étais catastrophée avant même d'être dedans parce qu'en fait, c'était un jour de vent et il y avait des arbres tout autour avec des toutes petites feuilles et toutes petites fleurs. Et ça balance tout dans la piscine. Et c'est une piscine, en fait, qui est gigantesque. Et j'avais prévu d'utiliser uniquement une extrémité et pas de bol. C'était dans ce sens-là qu'allait le vent. Donc, en fait, il y avait à peu près toutes les saletés de la piscine qui avaient atterri là où j'avais prévu de shooter. Okay. Donc, il y a ce moment de sueur froide avant que le client arrive où on se dit, c'est pas grave, je vais sortir je sais pas quoi avec mes mains. Je vais sortir les choses comme ça. Mais bon, c'est vain. Et jusqu'à ce que je prenne conscience que finalement, ben peut-être que ça ira en fait avec l'esthétique du
avec l'esthétique de ce shooting en particulier, qui était, il y avait un côté un peu masculin, barbu, tatoué, machin. Et du coup, je me suis dit, finalement, peut-être que toutes ces particules, ça ira aussi avec un peu le côté, pas brut, mais ça choquera ouais, pas. Ouais, bah ouais, finalement, c'est vrai que si tu nous l'avais pas dit, tu vois. Ça dépend ce qu'on a prévu de shooter, mais... Ouais. Mais du coup, je reviens sur mon portfolio plus créatif. Alex qui dit c'est super réaliste aussi. Il y en a tellement. Ouais, j'ai vu que tu en avais posté de plus en plus des photos fine art. Est-ce que plus t'en fais, plus les gens te demandent du coup? C'est possible, ouais. C'est possible. De toute façon, je pense que c'est ce qu'on montre qui donne envie aux gens. Donc forcément, les gens de plus en plus viennent me voir en disant moi, je veux un truc super créatif. Et est-ce qu'ils arrivent avec leurs idées ou du coup, c'est toi aussi qui proposes, genre, ah, je te vois bien faire ça? Ouais, non, la plupart du temps, ils n'ont pas forcément d'idées ou alors ils ont des grandes lignes. Peut-être parfois, ils ont des grandes lignes. Sinon, quand ils n'ont pas d'idées, je les questionne sur leur personnalité, sur leur goût. Et à partir de là, j'essaie de cerner un peu et de proposer des choses. Je propose ouais. Différentes choses et ils choisissent un grand thème, on va dire, et après je creuse, j'approfondis. Voilà. Mais sinon, non, je crois qu'à part la fille qui voulait être une cyborg, sinon, après, non, c'est moi qui ai proposé les choses aux gens. Ils arrivent en disant, moi, je suis super connectée avec la nature, je parle avec la lune et voilà. Et, jour de Bali. Oui, je déconne même pas. Ah ouais, c'est Bali. Ah, c'est Bali, on sait. C'est pour ça qu'on aime bien Bali. Mais oui, non, mais moi, je lui dis génial, j'adore. J'adore, allons-y. Parlons avec la lune. Et voilà. C'est trop bien. Et du coup, est-ce que tu bosses aussi avec des images un peu de stock ou est-ce que tu shootes tout? Tu vois, là, je pense aux les koi fish. Je sais qu'il y a pas mal de koi fish aussi dans le coin. Donc, tu as balancé ton appareil photo dans un bac de koi fish. Comment tu fais? Ouais, non, les koi fish, il a fallu que j'improvise. Donc, j'ai utilisé de l'image de banque. Ouais. Mais c'est pas faute quand même avant ce shooting de m'être creusé la cervelle pour j'aimerais vraiment le faire en vrai. C'est-à-dire pas juste shooter moi-même les koi et shooter moi-même ma modèle et les mélanger. Je voulais vraiment... Je rêvais de faire un vrai shooting avec les carpes koi, mais c'était un peu compliqué parce que la plupart du temps, les bassins de carpes sont pas profonds. Donc, en fait, c'est bien quand on veut faire de la photo allongée dans l'eau. T'as pas de recul, ouais. Ouais, bah disons, allongée dans l'eau, c'est sympa. Hein, ça fait un peu comme dans une baignoire avec les carpes koi, ça peut être chouette, mais c'était pas le projet. Ouais, carrément. Et puis souvent, c'est crado. Faut en trouver un propre. Ouais. Et puis bon, bah mettre des carpes koi dans la piscine, c'est pas très gentil pour elle parce que bon, non, c'est pas sympa pour elle. Que ce soit une piscine salée, on sera bougrir. Donc non, voilà, là pour le coup, c'est des carpes koi qui viennent de banques d'images. Ok, écoute, bon, moi j'ai des carpes koi dans mon jardin, je te montrerai le bassin. Je pense que tu peux mettre une nana à poil dedans, j'ai déjà contemplé l'idée. Hein. Je te montre. C'est la vie de Bali. Trop cool. Et après, ça dépend, les banques d'images, ça dépend si j'ai ou si j'ai pas en stock. Ouais. J'utilise beaucoup, quand je peux, des photos que j'ai prises moi pendant mes plongées personnelles. Ouais, Parce que je fais mes shootings en apnée, mais par contre, je plonge de temps en temps et j'en profite pour prendre en photo des paysages sous-marins, des reflets à la surface, des coraux, des raies mantas. Ah, c'est super malin. Ok. Ouais, c'est hyper cool. Trop bien. Alors, montre-nous-en 2-3 en plein écran, là, qu'on en profite bien. Et puis après, on va rentrer dans le Photoshop. Alors là, il y en a une où je me suis amusée avec la même image à faire 2 interprétations. Là, j'ai fait Mumuse. Hein. C'était ma fille avec une copine. Ah, c'est trop cool. Donc, j'ai imaginé... Le thé au fond de la mer et j'ai imaginé il y a un truc où la lune c'est canon.
au-dessus d'un étang avec la petite brume. Ah, c'est trop, trop cool. Côté Alice au Pays des Merveilles, là, c'est trop bien. Ah ouais, j'adore. Ouais. Le fameux fauteuil. Ah, c'est celui-là. Tu l'as mis dans l'eau? Ouais, je l'ai mis dans ma piscine. Ah, il est allé faire pouf, c'est trop bien. Ouais, ouais. J'ai mis des plombs parce que ça flotte. Ouais. Mais ouais, ouais. Ah, c'est trop bien. On peut vraiment mettre ce qu'on veut dans une piscine, hein? Ah bah ouais, si t'as pas trop peur pour ton mobilier. Parce ouais. Que mine de rien, ouais, il y a le... Si tu le laisses trop longtemps après, ou tu le fais trop souvent, le vernis s'en va, ça devient tout blanc. Ouais, ouais. Mais, non, mais du coup, c'est hyper cool. Il se passe tellement de choses. C'est vraiment stylé. Hein. Ah, tiens, il y a Nico qui demande combien d'heures tu passes dans l'eau par semaine. C'est difficile de répondre parce qu'en fait, c'est assez erratique, mes photoshoots. Donc, et... J'y suis pas tant que ça, en fait. J'y suis pas tant que ça dans l'eau. Quand il y a un photoshoot, ça dure un petit moment, ouais. Ça dépend. Le dernier, c'était un truc un peu particulier pour une école de sirènes. Ah, mais c'est trop cool. On peut devenir sirène. Ouais. Mais c'est génial. On vit une époque très stylée. Ouais. En fait, c'est du. Je pense que tu apprends les bases du freediving, de l'apnée, ouais. Mais avec le petit plus de t'amuser à être une sirène et voilà. Bah attends, c'est super dur parce qu'en plus, il faut avoir l'air sympa, magnifique sous l'eau. Enfin, c'est plus dur que c'est la vie. Hein. C'est méga dur. Surtout, elles ont les jambes serrées. Donc, du coup, c'est forcément du monopalme. Ouais. C'est quand même une technique assez particulière. Hein. C'est pas évident. Et du coup, c'est vrai que pour ce shooting-là, je pense qu'on y a passé la journée. Je crois que. C'est trop bien. À la fin, j'étais épuisée. Ah mais tout le monde doit être dingue, quoi. Tout le monde doit être cramé à la fin, c'est tellement cool. Ouais, on a bien dormi. On a bien dormi à la fin. Ah tiens, il y a Asbin Design qui nous dit « La photographie aquatique nous donne des mouvements du corps qu'on ne peut pas avoir sur Terre. La magie de l'eau, dynamisme et profondeur. » Il y a Alex qui demande « Est-ce que tu as quelqu'un qui t'inspire ?» J'ai quelqu'un qui m'inspire, mais j'en ai des milliards. Des milliards, allez. Ouais. En photographie aquatique en particulier, y a les grands noms comme Zina Holloway. Je peux montrer, j'avais. Ouais, vas-y, montre. Bah ouais, carrément. En fait, très rapidement, j'ai préparé juste avant. Ah bah trop cool. Voilà, mais vraiment, c'est vrai, j'ai mis quelques trucs pour avoir les grands, les ouais. Principaux noms. Ça, c'est Ilse Moore. Ah, c'est stylé, hein. Ouais. Zena Holloway fait des choses, c'est ça, mais des choses aussi différentes, c'est génial. Je crois que j'adore tout. Tout ce qu'elle fait. Après, on a Mallory Morrison qui est toujours, j'ai l'impression, toujours des choses très éthérées, très claires, un peu fantomatiques. Cheryl Walsh qui fait du mélange d'un univers, enfin un décor baroque avec des personnages toujours très fantasy, des sirènes, des guerrières, des voilà. C'est tellement cool. Il y en a pas mal dans des photographes de sous l'eau en fait. Ouais, et encore là j'en ai mis que. Ouais. J'en ai mis que quelques-uns. Lexilène, je ne sais pas si je prononce bien, mais j'adore. Elle est anglaise, je crois, mais elle shoot, elle shoot souvent au Mexique dans les cénotes. Ouais. Bess Mitchell. C'est canon. Bah, c'est cool, en plus, ça nous fait des noms. Comme ça, on pourrait aller voilà. Voir. On pourrait aller creuser. Ouais, on pourrait aller creuser. Ah, Harry Fate, que j'aime beaucoup, c'est toujours, c'est pas toujours, mais souvent, souvent décalé, drôle, un peu pop.
Hey, attends, il est belge, il est francophone. Je peux le mettre dans ouais, ma liste. Ouais, je suis un peu en contact. Birdie. Birdie, ouais, Birdie. Je connais. Ouais. Ouais. C'est vraiment cool. Et après, dans un genre un peu différent, parce qu'il shoot depuis la surface, il y a Christy Lee Rogers. Il fait des choses, du coup, qui sont pas abstraites, mais ça tend à le devenir, parce qu'il y a tous les mouvements de la surface qui viennent brouiller l'image. Ah ouais, ok. C'est superbe. C'est... Et il y a aussi, dans un genre moins coloré, Alexander James. Ah, c'est beau, hein. C'est très émouvant, en fait, je trouve, comme travail. Ouais, on a l'impression de regarder à travers une porte d'un autre monde, quoi. Ouais, il se passe quelque chose de... Ouais, dans un autre monde. Et on n'est pas avec. Ouais, il y a vraiment une... C'est canon. Bah écoute, moi j'irai voir ça avec plaisir. Le temps passe si vite. Moi je dis, on rentre dans ton Photoshop. Parce que on arrive vers la fin, tu vois. Déjà. Bah ouais, c'est fou. Et puis on a vraiment envie de voir comment tu fais ça. Ok, alors... Comment le petit process. Alors du coup, tu nous as déjà pré-ouvert des images. Ouais, j'ai pré-ouvert 3 images, donc je ne sais pas trop. J'ai pré-ouvert celle-ci. J'ai pré-ouvert une autre cyborg. Celle-ci. Ouais. Et celle-ci. Allez, et bah écoute, je te laisse rentrer dedans. Je vais commencer donc par celle-là. Donc c'est quoi le fichier original, tu vois ? Genre tu parles de... Est-ce que je le montre ? Je ne sais pas. Ah, oh là là, le suspense, ah. Je sais pas, j'ai hésité, je me suis dit que je peux partir aussi simplement d'une base propre. Ouais. Déjà, je vais vous montrer, parce qu'évidemment, il y a tout un travail de nettoyage, parfois de composite, parfois aussi pour avoir exactement la bonne pose. Ou... Donc, ouais, c'est vrai que j'avais plutôt préparé une base propre et monté ensuite. Voilà. Et... Ouais, d'accord, la toile... La toile où tu as déjà mis le gesso devant, dessus, tu vois. Ouais, voilà. En fait, là, c'est j'ai nettoyé la piscine. Hop. Oui. Allez, c'est sûr, nettoyer la piscine. Il y a Fabien qui demande, est-ce que tu utilises des éclairages sous l'eau ? Non. Ok, c'est toujours lumière naturelle, du coup. Ouais, jusqu'à présent, en tout cas, je n'ai shooté que en lumière naturelle. J'y songe. Est-ce que tu fais quand même des trucs pour contrôler un peu la luminosité ? Tu mets des panneaux devant ou vraiment tu fais avec ce que tu as ? À l'arrache, après, j'ai toujours en tête la façon dont ça réagit sous l'eau quand on est en plein soleil, quand on est à l'ombre, mais au bord pas loin du soleil, avec les bords de la piscine. S'ils sont blancs, ils vont réfléchir aussi la lumière, mais parfois de manière pas très heureuse. Enfin, j'ai malgré tout ça en tête au moment où je shoote parce que justement, comme je ne peux pas la modeler moi-même, cette lumière, il faut que au moins que je la comprenne. Ouais, carrément. Pour essayer d'optimiser. Et voilà. Du coup, je pense qu'en plus, c'est là mes calques qui sont les uns au-dessus des autres, mais je ne pense pas que j'ai forcément travaillé comme ça, tac, tac, tac. Je pense que parfois, je fais une chose et puis après, je rajoute un truc. Donc, je vais essayer de retrouver l'ordre. Et du coup, attends, t'as déjà assemblé des morceaux de robe là ou la robe elle était directe comme ça ? J'ai un peu rajouté quelques pans qui venaient d'autres clichés pour qu'elle soit encore plus impressionnante parce que c'était déjà une robe un peu conséquente en termes de quantité de tissu, mais je me suis dit, allez, on en a. Du coup, je pense que la première chose que j'ai fait, c'est de la mettre dans la mer. Ouais, alors du coup, j'ai fait. Je pense que j'ai commencé par utiliser une photo du fond de la mer que j'avais dans ma bibliothèque. Et ensuite, une autre photo pour plutôt la surface et le lointain, c'est-à-dire. Et à partir de là, déjà, je commence un peu à la visualiser. À visualiser, ok, elle est dans son décor. Maintenant, qu'est-ce que je fais ? Donc je pense que la première chose que j'ai fait, c'est d'essayer de la... Je voulais faire qu'elle soit elle-même un peu de l'eau, que son corps soit de l'eau.
Et donc, j'ai fait ça. Ah, c'est cool. Okay. Ouais. J'ai peut-être pas tout le détail de comment j'ai fait. Mais bon. Ouais, mais c'est cool déjà de voir les étapes voilà, décomposées, tu vois. Pour déjà lui donner un peu un côté comme si elle était en verre ou en bio. Ouais. Ensuite, le splash. Et après, je pense que j'ai commencé à ajouter des poissons. Ah, c'est cool. Ça vient d'un coup, hein. Il y a 30, 40 000 calques. Ouais. Ouais. Pour chaque... pour chacun, il y a... Voilà. Mais, Est-ce que tu as bien nommé tes calques exprès pour nous ou tu travailles non, vraiment non, non, super je, organisée? Non, j'essaie d'être organisée parce que sinon, okay. sinon je m'y perds complètement. Ah, et c'est cool. Et j'essaye aussi, avant de me lancer tête baissée, de réfléchir à tout ce que je dois faire qui implique un calque, comment dire, un calque plein. Ouais. Vraiment l'image, par exemple, dupliquer. Ouais. Et ensuite, garder le plus possible pour la fin tout ce qui est courbe, couleur, pour pouvoir revenir en arrière. Ouais, mais bon, ouais. Parfois, c'est pas aussi bien rangé que ça, mais voilà. Là, il y a un petit serpent de mer, je crois que j'ai rajouté après. Ah là là, faut pas se faire mordre les pieds par lui, hein. Ouais, non, mais normalement, ils ont la bouche trop petite pour... C'est vrai. Ouais, mais tu vois, un petit coup de morsure, là, t'es pas content, hein. Bah, il paraît que les petits serpents de mer, la plupart du temps, le seul endroit où ils peuvent nous mordre, c'est l'oreille ou là, entre les doigts. C'est vrai, ah, c'est hyper précis, hein. Ouais, bah, c'est le seul truc qui est assez grand pour leur bouche, assez petit pour leur bouche. Vraiment qu'ils soient en colère, quoi. Ouais, depuis qu'on m'a dit ça, ça va, je suis pas trop... Ouais, non, ça va aller. Après, quelques petits rayons de lumière. Et moi, il y a Nico qui dit, mince, je pensais que certaines photos étaient prises dans la mer, et en fait, non. Plus petit le trucage. Trop cool. Et ouais, voilà, j'ai vendu mon... mon secret. Ouais, désolée de décevoir. Ah bah tiens, il y a Rebecca qui dit, bonjour, les tissus ont-ils été modifiés ou allongés? Bah, du coup, on a répondu à la question. Oui, ouais. Tu as rajouté des petits bouts. Oui. Donc là, j'ai travaillé sur l'ambiance avec tous les fichiers LUT. Ouais. Après, la lumière. La petite touche finale pour vraiment bien... Voilà. Ah, c'est cool. Fais-nous un petit avant-après de la base jusqu'on voit... Alors, tu sais, tu peux maintenir Alt et juste cliquer sur l'œil de base et ça va faire afficher juste celui-là. Ah ouais, ouais. Allez, si tu veux des tips sur Photoshop, j'en ai des milliards. Donc, tu maintiens Alt et tu cliques sur l'œil. Ah. Ça, c'est un peu magique pour les avant-après. Voilà. Alt-œil. Et après, je reclique au même endroit. Après, tu recliques Alt-œil et ça fait réapparaître tout. Oui, ok. Et ça marche avec tous les calques. Ah ouais, ok. Cool. Pratique, en effet. Ah, c'est hyper cool. Voilà. Voilà. Ouais, c'est marrant. Puis on voit aussi comment l'image, elle prend de la dimension et du volume aussi. Ouais, ça, c'est surtout les lumières, en fait, qui permettent ça. Après, là, j'ai pas fait en détail, mais effectivement, après, pour chaque poisson, il faut trouver la bonne couleur pour qu'il s'intègre bien, le bonnet, changer un peu son éclairage. Enfin, voilà, il faut... Cool. Est-ce qu'on en regarde une autre? Allez. Si on a le temps, ouais. On va faire celle-là. Fabien qui nous dit, c'est un serpent hyper mortel, mais qui a très peu de venin. On en voit beaucoup en Indonésie quand on surfe. Ouais, il y en a pas mal. Non, c'est vrai que c'est quand même hyper dangereux, mais bon. Hyper dangereux, mais apparemment, il y a une petite bouche. Je savais pas. Moi, je ne vais pas aller nous checker. Ouais. Par contre, si tu vois que le serpent est méga gros, celui-là, il n'a peut-être pas une petite bouche. On en fait une face de grand, c'est pas normal, voilà. Alors, du coup, cette image-là, c'est pareil, j'ai préparé une base propre. Et comme ça, on va pouvoir un peu, remonter progressivement. Je pense que la première chose que j'ai fait, c'est de transformer son pistolet puisqu'elle était censée avoir un énorme, un gros gun. Ouais. Voilà, un gros gun.
C'était pas trop difficile à faire vu qu'elle avait déjà le pistolet dans la main. Finalement, il suffisait de le de l'allonger. Ouais, finalement, elle avait déjà la bonne position et tout. Donc, mais voilà, la position était bonne. Ouais. Elle avait, en fait, on le voit encore hein, le pistolet. Simplement, il est noyé dans le. Ouais. Il est noyé dans la fusil à lunettes. J'étais en train de me dire c'est quoi ça, fusil à lunettes. Et donc après, c'est magique, on clique et hop. Hop, et 10 heures plus tard, voilà. Et là, ouais, en fait, il y a beaucoup ça, de... C'est hyper cool. Ça, comment t'as voilà. fait ça? Est-ce que tu peux zoomer dedans? Alors, attends, déjà, je vais te montrer. Ah ouais, non mais attends, tout est nommé avec amour et tout. Ah mais oui. Ah mais oui, ah. Parce que sinon, c'est un enfer. Ouais. Voilà. Donc, en fait, j'ai commencé par dessiner. Par exemple, je vais essayer de retrouver l'épaule. Rien que pour dessiner, ça c'est juste pour le dessin de l'épaule. Ouais. J'essaie de me souvenir moi aussi ce que j'ai fait. Je pense qu'en fait j'ai vraiment dessiné à la plume et ensuite j'ai rempli tout bêtement avec du noir. J'ai après dans les styles de calque peut-être j'ai fait des lumières internes. J'essaie de me souvenir hein, comment j'ai fait ouais, ouais. avec des ombres internes ou des lumières internes, des choses comme ça. Ça fait un moment hein, que je l'ai fait, donc j'essaie de me souvenir. Là, c'était pas en style de calque. Hein. Je pense que je l'ai fait vraiment avec à la main. Ouais. Ouais, parce que là, si j'enlève en fait. J'enlève ça, est-ce qu'on voit? Ouais, voilà. J'ai commencé par faire ça, je pense. Voilà. Ouais. J'ai fait un dessin comme ça. Après, je l'ai commencé. Et après, j'ai travaillé les ombres et les lumières pour donner du. Le là, volume et ouais. L'ombre portée du morceau qui se détache. Là, c'est l'ombre du bord. Juste l'ombre qui est là, là. Et les lumières du bord, sont là, là, et là. Et après, les courbes, je ne sais plus trop pourquoi. Ah oui, c'était parce que après je trouvais que ça ne s'intégrait pas, que c'était trop noir par rapport à ma photo. Donc, j'ai un petit peu éclairci les noirs. Et en fait, j'ai fait ça pour partout. Ouais. En gros, j'ai un peu déplacé de la chair, des morceaux de corps aussi quand ça s'ouvre. Voilà. Et ensuite, en gros, une fois que tout ça c'était prêt, bah, j'ai commencé à intégrer les moteurs à l'intérieur. Voilà. Ah ouais, c'est trop cool. Et donc parfois, c'est juste intégré quelque part comme une image qui vient se superposer sur ma zone noire. Et puis parfois, c'est plus complexe parce qu'on voit, par exemple, l'arrière de la main comme un gant un peu. Ouais. Et puis il y a l'extérieur qui doit mordre aussi là, ici, là. C'est fou, là on voit vraiment que ton background un peu d'illustratrice ça te sert vraiment en fait dans la retouche. C'est possible, ouais, c'est possible. Et en plus c'est pas juste un morceau de moteur que j'ai trouvé tout fait qui allait bien pour faire le poignet. Et là il y a je sais pas combien de morceaux à la fin, je pense que j'ai écrasé. Mais il y a je ne sais pas combien de morceaux pour que ça fasse exactement ce que je veux. Parce que je n'ai pas tapé sur ma banque d'images « moteur pour poignet de cyborg ». Moteur Ghost in the Shell, allez, c'est parti. Biomeca, fille toute nue. Ouais. Ouais, ouais. Après, c'est rigolo du coup parce qu'on se retrouve à aller chercher des pièces de mécanique et on fait une espèce de mélange, il y a tout et n'importe quoi là-dedans. C'est hyper rigolo de se dire… On va chercher des flexibles de douche, on va chercher des trucs de pompe à essence, des moteurs de voiture, des trucs d'ordinateur, des paquets de câbles. Enfin, il y a tout. Il y a un peu de tout. Hein. C'est trop cool. Donc, voilà. Donc là, j'ai mis les moteurs. Ensuite, rectification des couleurs. Je ne sais pas ce que j'ai fait là. Pas très tu vois, sans quelle résolution c'est-à-dire ton image, elle fait quelle taille? C'est plutôt un grand fichier ou un truc Un grand. C'est assez grand, ouais. Là, c'est marqué largeur 4571 pixels par 7557 14. Ouais. 40 dpi. Euh...
Ah oui, alors après, j'ai fait les tuyaux. Ah oui, c'est ça. Donc, cela, tu les as fait à la main. Ouais. Wouh! Voilà. Yaka. Ça apporte un truc de dingue tout de suite. Et du coup, les tuyaux, bah, c'est pareil. Hein. Je les ai dessinés à la plume. Ouais. J'ai dessiné à la plume le tuyau en noir. Et après, j'ai géré la couleur. J'ai modulé la couleur un peu du noir pour que ça s'intègre bien. J'ai fait les lumières, les ombres portées. Et Ah ouais. ça c'est dessiné. Hein. Enfin, je veux dire, c'est Ouais. partout en fait, hein, partout, partout. Faut vraiment essayer de visualiser, de se demander, bon là, comment ça ferait? Si le câble il touche, si le câble il soulève un tout petit peu. Et je crois qu'à la fin, j'ai la petite touche finale sur les tuyaux, c'est de me dire, ah, il y a aussi des grosses taches de lumière au sol. Donc, par endroit sur les tuyaux, j'ai aussi remis des. Ouais, il faut qu'ils prennent un peu la lumière aussi. Ouais. Voilà, là, on voit bien ici des taches de lumière sur les tuyaux pour que vraiment ça s'intègre. Bah, je trouve que quand tu nous montres ça, moi je trouve ça hyper logique, tu vois, je comprends le truc. C'est vraiment plein de petites étapes et tu construis couche par couche en fait. En fait, je pense que quand on le voit fait, ça paraît évident et logique, mais au moment où on le fait, c'est comme une page blanche, en fait. Ouais. Et du coup, on se dit, bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Ouais, c'est une suite de choix aussi. Carrément, il y a Alex qui dit « Je suis fan, super boulot. » Ce serait quoi le conseil numéro un que tu donnerais aux gens qui veulent faire des photomontages un peu barrés dans Photoshop, tu vois? Le conseil numéro un, Ou le, tu vois, le top 3. ouais, c'est vachement dur. De pas compter son temps. Okay. Je Ouais. m'attendais pas à ça, mais ouais, je suis Ouais, carrément. non, non, et aussi de pas se dire, oh, ça, je m'en fous, ça se verra pas de toute façon. Moi, j'ai tendance, enfin, après, je ne sais pas si c'est un conseil, en tout cas, moi, j'ai tendance à me dire, si moi, j'y crois, ils y croiront. Et du coup, parfois, pour y croire, j'ai besoin de mettre mon image à 400% et de me dire, à 400%, j'y crois. Donc, ça Ouais. devrait passer même en tout petit sur Instagram. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, bon, Ah, c'est un peu frustrant après sur Instagram parce que pour le coup, on se dit, ah, tous ces petits détails que j'ai faits et qu'on ne voit plus. Mais bon. c'est vrai. Mais du coup, est-ce que bah, tes clients, après, ils en font quoi? Tu leur fais des tirages ou ils ont C'est une une bonne version question. digitale? Moi, j'adorerais pouvoir leur faire des tirages. Simplement, mes clients à Bali, c'est des gens qui sont Des nomades de de Bali. passage. Ouais. Ouais, ils ont une valise. Et ça prend tellement de temps à faire qu'en fait, souvent, ils sont déjà repartis. Ok. Du coup, c'est un peu compliqué de dire bah, je vais vous faire des tirages. Donc, je ne sais pas trop ce qu'ils en font. J'espère que de leur côté, peut-être ils font des tirages, des bons tirages. Et voilà. Mais j'adorerais hein, pouvoir gérer cet aspect-là aussi parce qu'en plus, du coup, c'est vrai qu'on sait ce qu'on leur donne. Quand on fait le tirage, on sait qu'on a le regard sur la couleur, sur tout. Mais bon. Carrément, et puis se leur livrer une vraie œuvre d'art aussi. Et bah écoute, Ouais. bucket list, hein. De toute façon, c'est toi qui nous as dit il y a 37 minutes, il faut montrer ce qu'on a envie de faire. Voilà. Oui. Non, t'inquiète, on le dit à chaque live, donc c'est pas toi forcément. Ouais. Alex, il dit des tirages waterproof pour mettre dans la piscine. Ouais, tu fais du J'y ai Inception 2. pensé. J'y ai Ah, ça pensé, serait cool. oui. Une expo sous l'eau. Ouais, trop cool. Ils ont fait ça avec des statues, hein, déjà. Bah, il y a, ouais, il y a, ouais. Il y a Caroline qui nous dit quel travail de dingue. Je suis impressionnée par ce compositing. Trop fou les tuyaux. Et Ryan qui nous dit la précision de dingue. Bravo. Est-ce qu'on a le temps de s'en faire une petite dernière avant de se Bah, c'est dire toi au qui es. revoir? Ah Ouais. oui, t'inquiète, on peut déborder un Ok. petit peu. Tu vois, ils vont Ok. pas nous. Après, celle que j'avais sortie, elle est peut-être un peu proche. Un peu Ouais, mais c'est similaire. cool. Bah, c'est cool aussi parce que tu as tous les éléments que tu as shootés à part. Ouais. Bon, la machine, je ne l'ai pas shootée moi-même. Hein,
J'avoue. Voilà, donc là, c'est ma base propre. Et c'est vrai que là, du coup, ce shooting, c'était pas prévu qu'on le fasse à l'horizontale dans ma piscine. Ouais. Et au final, ça apporte quelque chose parce qu'en fait, d'avoir cette lumière qui vient du côté, Ouais. sachant qu'après, j'ai créé un reflet qui est au-dessus, ça crée quelque chose d'un peu bizarre. Ouais, carrément. On a l'impression qu'elle est en face d'une grosse boule de lumière chelou. Et du coup, Ouais. on a l'impression qu'il se passe quelque chose qui est peut-être hors champ, parce qu'il y a quelque chose qui l'éclaire fort, Ouais, c'est mais on ne ça, sait pas ouais. quoi. Et du coup, je trouve que ça participe un peu à l'étrangeté de l'image. Carrément. Alors, j'ai commencé par faire un reflet, une sorte de reflet, mais sans ailes, juste de l'eau. Et alors ensuite, ben voilà, les vêtements. Le nombre de calques bien nommés, je suis hyper impressionnée. Le nombre de groupes de Le calques. nombre de groupes de calques, en plus dessous, ils sont bien nommés. C'est incroyable. En plus, tu sais, ils sont tous bien nommés avec la bonne casse. Ouais, il n'y a pas des trucs en majuscule et tout. Oh. C'est parce que j'étais éditrice sans doute. Bah, Pardon. c'est marrant parce que du coup, tu vois, on voit le niveau de détail dans tes retouches, mais on comprend que tu as aussi un truc, un sens du détail et de l'organisation qui est hyper poussé, tu vois. Et ce qui se ressent dans ton travail, ça se voit dans ta manière de travailler aussi. Ouais, ben après là, j'ai pas trop le choix d'être organisée parce que sinon enfin, je pense qu'on s'en sort pas. Ah, je sais pas, moi j'arrive à te le faire. Avec 500 calques les uns sur les autres, pas nommés. La vache. Hein. T'inquiète. Ah C'est oui, possible. ok. Non, c'est Ok, possible. chacun sa méthode. Ah, non, ça marche. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait pour, par exemple, le kimono? J'essaie de me remettre dedans. Je pense que d'abord, donc j'ai déjà dit hein, tout à l'heure que j'ai... On a mis un mari sous l'eau. Voilà, j'ai mis mon mari sous l'eau et c'est lui qui a fait bouger tous les vêtements et tous les accessoires. Et donc ensuite, j'incruste le kimono et je pense qu'après, j'ai fait un effet de flou pour qu'il y ait un peu de mouvement Ouais. dans tout ça. Légèrement. Légèrement flou. Et puis, bah, en gros... je suis en train de me demander, ça me paraît bizarre que la couleur soit bonne dès le départ. Il est possible que j'ai aplati mon calque parce que normalement j'ai toujours plein de calques pour régler la couleur pour que ça s'incruste vraiment bien. Ouais. Donc voilà. Mais sinon voilà, j'ai fait ça pour chaque élément. Alison qui dit, Charlotte, tu mérites un Oscar rien que pour tes groupes de calques. Voilà, j'ai un Oscar groupe de calques. L'Oscar groupe de Et calques. puis bon, bah voilà, après j'ai fait le cyborg, on est déjà un peu blasé Groupe de puisqu'on a fait l'autre. l'autre. Allez, bah attends, rezoome dedans parce que quand même, il faut lui faire honneur à ce. Tu Voilà. vois? J'étais en train de zoomer, mais ça va pas très vite. C'est complètement fou. Pourquoi ça ne zoome plus? Ah, parce qu'il a décidé que c'était la fin du live, t'inquiète pas. Ouais, ça doit être ça. T'inquiète. Mais C'est dingue. voilà. J'aime beaucoup le petit détail de la machine avec ces petits. Le petit téton de. Il a un téton mécanique. Une sorte de téton mécanique. Ouais. C'était un pur hasard, hein, je crois que. C'est vrai, bah écoute. Sur ce moteur, il y avait une pièce comme ça, je me suis dit, ah, allez, trop bien. J'ai peut-être un peu quand même changé la forme avec un peu de fluidité pour que ça fasse un petit peu plus comme un sein, un peu. Mais ouais, voilà, c'est le même principe hein, pour faire toute la mécanique. C'est cool, les découpes, elles sont vraiment dingues. Ouais, les câbles et les découpes, c'est vraiment trop cool. C'est marrant à faire. Il ne faut pas trop compter son temps, mais c'est marrant à faire.
Ah, c'était ça, ou chef de projet éditrice, tu vois. Ah ouais, non, bah, j'ai aucun regret. Non, c'est trop cool. Après, c'est surtout, je pense du travail surtout sur l'atmosphère, quelques petites bulles, bah, forcément le robot qui est en train de la construire. Ça, c'est un truc de chaîne de montage automobile, à mon avis, ou quelque chose dans ce goût-là. Ouais. Après, je crée un reflet. Ah bah tiens, c'était une question de Mister Jolie. Demandait, le reflet en haut a-t-il été modifié? Bah, il a été même créé. Ouais. Il a été complètement créé parce que là, j'ai pas le choix. J'ai que mon modèle qui est authentique d'origine. Donc ouais, quand il y a autant de modifications sous l'eau, ouais, c'est clair que je refais un reflet. Non, Et cool. ouais, qu'est-ce que j'ai fait? Les petits détails après d'atmosphère surtout. Comment tu fais l'effet loup-loup de l'eau, comment on pourrait dire ça? Mais justement, le reflet avec les vibrations dans l'image. Alors, j'ai trouvé un tuto sur Internet Ouais. sur comment fabriquer son reflet. Reflet. C'est très utile. C'est Ok. très utile. En fait, alors il y a une étape en fait qu'on fait une fois et qu'on refait jamais en fait parce qu'après on crée un fichier qui va servir à l'ordinateur pour calculer le déplacement. Donc, en fait, ce truc-là, je serais incapable de réexpliquer comment je l'ai fait parce que j'ai vraiment suivi le tuto bêtement pour fabriquer ce machin. Et depuis, le truc, je l'ai enregistré dans mon dossier. Et chaque fois que j'ai besoin de faire un reflet, je l'utilise. Et en fait, c'est dans les filtres, c'est l'outil dispersion. Ouais. Bah évidemment, là, je ne peux pas y accéder. Je crois que c'est ça, c'est quelque chose comme déplacement, dispersion ou quelque chose comme ça. Et là, il nous demande Tape en anglais, peut-être. Ouais. quel fichier on veut utiliser pour faire cette dispersion. On lui donne des chiffres pour lui dire à quel point on veut que ça soit dispersé vers le haut, vers le côté. Et il utilise ce fameux fichier qu'on a créé en amont pour calculer. Le jour où j'ai découvert ça, j'ai découvert le Graal un peu. Hein. C'était Sympa, trop bien. c'est beau. Ah ouais, c'est trop bien parce que du coup, après, tu peux t'amuser à faire tout ce que tu veux et à créer un reflet. Ça donne là encore plus l'impression que c'était vraiment là, quoi. Si ça se reflète, c'est que. Bah ouais, Donc, carrément. Non, c'est c'est vrai, ça met assez vraiment précis. sous l'eau. Et bah écoute, on arrive doucement vers la fin. On a déjà un petit peu débordé. Est-ce qu'il y aurait un truc qu'on a oublié d'aborder, dont t'aimerais vraiment parler? C'est le moment. Je ne pense pas spécialement, non. Un petit peu si on a des questions. Tiens, il y a Delphine qui dit, ça m'a fait penser à du substance. Mais ouais, carrément. Substance, du coup, c'est le logiciel de retouche 3D. Et c'est vrai que ce serait incroyable si on pouvait mélanger substance et Photoshop. C'était ma grande réflexion la semaine dernière. Donc, Ah oui, bah je connais pas du tout Substance. ouais, non, on a fait une session la semaine dernière, c'était hyper cool. J'étais là, genre, comment on fait ça dans Photoshop? Je ne sais pas si c'est avec ça, mais c'est vrai que parfois on voit des images, on croirait que c'est des photos et on découvre que les gars, ils ont tout créé en 3D et qu'ensuite ils balancent les lumières, les éclairages et. C'est exactement ça. Ouais. Donc, on a beaucoup parlé de ça. Ouais, il nous dit c'est Displacement Map. En cherchant sur YouTube, on trouve plein de tutos. Ouais. Petite displacement map, ah, dont on parle beaucoup sur After Effects, qui sert beaucoup la displacement map. Voilà. Et bah voilà, n'hésitez pas si vous avez deux, trois questions, elles vont mettre 30 secondes à arriver, mais bon, on est là. Et puis voilà, bah écoute, c'était hyper intéressant. Je te remercie, c'était trop trop cool. Bah écoute, je t'en prie, c'était un plaisir. Bah ouais, non, merci d'avoir d'être rentré dans tes fichiers, un peu voir un peu les secrets de fabrication, tu vois. Ouais, j'ai dévoilé mes recettes de cuisine. Bah, tu nous as montré le décomposé, mais si tu devais le donner pour le refaire, on en serait toujours incapable. Donc, t'inquiète pas. Oh non, mais je suis pas inquiète, hein, c'est. Non, c'est hyper chouette. Et bah, je pense qu'on peut s'arrêter là, tranquillou. Merci à tous. Je regarde un petit peu. C'était quoi le programme de la semaine? Voilà. Et bah, moi, je vous remercie. C'était très, très chouette. Demain,
Il y a encore des lives toute la semaine, comme d'habitude. Donc demain, vous avez la masterclass avec Franck qui reçoit Diane Truc. Et ça va être webtoon et illustration. Et après, bah, les deux jours d'après, vous avez le DIY avec Franck qui termine ses deux sessions. Donc comment créer sa marque toi-même en utilisant les outils Adobe. Donc c'est hyper cool. Voilà. Seisun qui nous dit quel beau travail, très riche, magnifique travail, bravo Charlotte, voilà. Donc plein d'amour sur toi, il y a toi qui était super inspirant. Voilà, donc bah merci, c'était super chouette. Merci à tous pour toutes vos petites questions et tout. Bah, toute la semaine, vous aurez Franck, moi je vous retrouve la semaine prochaine. Et bah merci Charlotte, passez une bonne soirée ou une bonne fin d'après-midi et puis on se retrouve vite. Au revoir tout le monde. Quoi?